avec Manu Françoise, quelques minutes après la demi-finale de Coupe de Luxembourg face à Dudelange et la défaite 3-1. Manu, c'est un match hyper frustrant, et encore, je pense que c'est un euphémisme, avec autant d'occasions manquées pour nous et qui n'ont pas fait ficelle, et chez eux, ben, un tir, un but quasiment, j'imagine que là, la frustration est au maximum. Ouais, c'est le gros mot de la fin, c'est frustration. Beaucoup de tristesse aussi, parce que finalement, on jouait beaucoup là-dessus cette saison. J'ai quand encore l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, mais le ballon ne veut pas rentrer dans le but. Et au final, on se prend 3-1, et puis j'ai l'impression qu'on est meilleur qu'eux, j'ai l'impression qu'on a plus d'occasions qu'eux, mais au final, on perd encore. Et du coup, il va falloir lutter jusqu'au bout pour se qualifier en Europe. Bon, j'entends, franchement, ta tristesse, je la comprends, mais ce qu'on peut aussi retenir, c'est que dans le match, vous avez eu beaucoup d'occasions, vous êtes créés dans le jeu, sur coup de pied arrêté, mais aussi dans le jeu. Il y a beaucoup de choses positives à retirer, il n'y a pas que non plus la frustration des occasions manquées, mais aussi la satisfaction d'avoir tenu tête au leader du championnat et d'avoir été chez eux, d'avoir fait le jeu et montré que nous aussi on avait de la qualité. Ben, c'est tout à fait ça, il y a quand même beaucoup de choses de positives à retirer, hein. Comme je l'ai dit, je pense qu'on a plus d'occasions qu'eux, je pense que c'est nous qui font le jeu et puis finalement voilà, on perd mais on se dit qu'on va travailler sur des bases solides, il nous reste 5 matchs et puis si on les aborde de la même façon qu'on l'a fait ce soir, j'espère en tout cas que ça ira pour se qualifier pour l'Europe. Et comme le président l'a dit, il a eu des mots justes avec Thomas, il est quand même fier de nous, donc ça fait quand même des mots qui font plaisir à entendre. Donc voilà, on va essayer de le rendre fier jusqu'au bout et il nous reste 5 matchs pour ça, 5 finales et puis voilà, il faut y aller. Est-ce que vous avez senti aussi la passion et le soutien du public jusqu'à la fin du match, qui n'ont pas arrêté de chanter pour vous, même quand le résultat était défavorable? Ouais, clair et net. Hein. Pendant le match, on les entend. Et ce qui nous touche vraiment, c'est qu'à la fin, quand on perd et il y a 3-1, ben, on peut aller les saluer parce qu'ils sont encore là. Ils attendent dans les tribunes alors qu'ils pourraient rentrer chez eux. Et finalement, ils nous attendent. Et puis nous, ça nous fait toujours plaisir, malgré que c'est difficile quand même d'aller devant eux, devant une défaite. Mais voilà, franchement, ils sont vachement sympas et on les remercie tous, d'ailleurs pas que moi, on les remercie tous et on espère qu'ils seront là pour les 5 derniers matchs. Merci, Manu. Ouais.